Salut YouTube, bienvenue sur PlayerUnknown's Battlegrounds, je suis Valerius et j'ai une revanche à prendre. Et effectivement, dans l'épisode premier, dernier, voilà, j'ai connu une mort rapide et décevante. Je suis toujours scandalisé, donc c'est parti. Voilà. Alors maintenant, je vais plus me faire prendre en traître. Quand je suis dans l'avion avant de sauter, je vais faire gaffe au son avec la petite molette que j'ai là. Parce que la dernière fois, il y a des gens mal intentionnés qui m'ont défoncé les tympans. Et j'aimerais bien que ça ne se reproduise plus. Voilà. Tout simplement. Alors oui, je sais, le résultat de la webcam est complètement dégueulasse. C'est parce que j'ai un peu de mal avec mon éclairage. Mais c'est pas grave, ça va venir. C'est un work in progress. Mais bon, c'est vrai que ce jeu est en QWERTY, bordel de bite. Il faut que je pense à changer cela. Ok. Voilà qui est mieux. Non? Personne qui hurle dans le micro? Ah non. Étrange. Oui! Parti. Mais comment ils font pour être déjà là-haut, là, enfin en bas, enfin là-bas. Allez, vite. Il me faut du stuff. Vite. Allez, entre les immeubles. Oh là là. Wow. Est-ce que c'est normal ça? Oh. Oh là là. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh putain. Pas bon. Colonel, pas bon. Putain. Je sais même pas quand je le touche. Putain. Grosse revanche. Hein. Ah là, grosse revanche. C'est pas grave, j'y retourne, c'est parti. C'est reparti. Qu'est-ce qui se... Ok. Fucking Korean. Oui. Taiwan number one. Taiwan number one. Taiwan number one. Taiwan number one. Ok, ouais. Si tu veux.
Si tu veux. Oula. T'as les temps que je change cette webcam. Hein. 30 fps, ça le fait plus là. C'est inacceptable. Je m'en fous, j'ai le son baissé. Je m'en fous. Oh là là, c'est affreux, c'est affreux. Fuck off. Ah, j'attends qu'il y ait un maximum de monde qui se lâche. Genre là, c'est pas mal. Oui. C'est comme ça que je fais avec mes yeux quand je saute d'un avion en parachute. Chose que bien évidemment je n'ai jamais fait dans ma vie, hein. Sauter d'un avion en parachute. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Oui. Allez-y, tu peux le faire. Ouais. Ok. Sac à dos. Sac à dos. Bandage, ça c'est pas mal. Mais il me faut un sac à dos. Est-ce que ça serait pas de la merde là où je suis? Par hasard, hein. Après tout, pourquoi est-ce que j'aurais atterri dans un endroit valable ou potable, voilà. Ça n'aurait aucun intérêt. En plus, j'ai un véhicule là. C'est cool. Donc apparemment, le véhicule, il a invalidé tout le reste. Armes, armure, munitions, sac à dos. Boisson énergétique, chargeur rapide. Je veux des armes. Maintenant. Ah. Ben voilà. Est-ce que c'est un truc qui va avec ça? Mais oui. Incroyable. 45 à ses pieds. Chargeur rapide XXL pour le pistolet. Y a personne dans la maison. Je crois que c'est bon. Je crois. Oh oui. Je crois que c'est bon. Allez, monte à l'étage. J'ai un cadeau pour toi. Monte à l'étage. Oh putain, j'ai canardé comme un. Oh. Nice. J'ai les polices. Donne-moi ça. Ouais. Alors, on est nul. Oh. Oh, mais ça c'est. Ça c'est craqué comme arme ça. Non? Mais si, c'est craqué, c'est un monocou. C'est précis ça, ça fait du but, ça fait du bobo. Bon, safe zone, c'est parti.
Mon premier frag sur PUBG. Ah, je suis trop content. Ah, il a rien vu venir, le mec. Alors là, il a rien vu venir. Ah, il est monté tout innocemment les escaliers. Et là, il a un fou furieux de la gâchette qu'il attendait avec un chargeur plein. Il pouvait rien faire, le petit bâtard. Oh! Ça, c'est pas moi, ça. Oh. C'est tout son. Alors. Non, je veux ça, moi. Pourquoi il m'a mis le deuxième? Je veux ça, moi. Alors, est-ce que la personne que j'ai entendue va passer cette porte? Je vais garder la main sur la souris cette fois. Hein. Je vais pas me faire avoir. Oh. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre la porte. J'ai un cadeau pour toi. Ouvre la porte. Alors, où le mec est malin? Pas la personne. C'est pas forcément un homme, bien évidemment. Où cette personne est maligne? Elle ouvre la porte en se cachant et lance une grenade. Auquel cas je suis foutu. Ou alors elle se croit safe. Comme l'autre qui a monté les escaliers. Et la mort. Oh. Mais c'est quoi? C'est des tirs lointains ou c'est des bruits de pas ça? J'arrive pas à me décider. Ça a l'air d'être des bruits de pas, mais ça a également l'air d'être des tirs lointains. Je sais pas, hein. Non, c'est des bruits de pas dans la maison, ça c'est sûr. Non, je vais pas risquer. Je vais pas faire le fou. Je vais pas faire le fou. Je viens à peine d'avoir mon premier frag, hein. Je vais pas faire le foufou en mode c'est bon, je suis imbattable. Hein. Je peux toujours remourir d'une balle dans la tête en headshot d'un sniper qui est à 15 km. C'est bien évidemment faisable, possible. Probable même. Dirais-je. Sac à dos, niveau 2, antidouleur, grenade assourdissante. Alors, je vais pas encore trop m'amuser avec les grenades dans ce jeu, hein. Je découvre. Oh! Scar, est-ce que c'est mieux, par hasard, que... Y'a pas des stats sur... Ah bah voilà. Portée réelle. Ouais, la M16 est mieux. Hein. Ah non, la M16 est mieux. La M16 est mieux. Ok. Qu'est-ce que c'est? Lunettes sans monture. S'en fout. Je ne suis pas Morpheus. Est-ce que AR c'est valable pour ma...
Non, SCA M416, SCAREL UMP9 Vector. Ça explose beaucoup quand même dans le coin, je trouve. Hein. Basket, casque de moto. Ah, mais je suis en plein dans la zone rouge en fait. Ah oui, d'accord. Oh! C'est pas passé loin. Hein. Je pense que si j'avais pas été dans la maison. Mitaine, colonel, c'est toujours pas bon, non. Silencieux SMG. Y a des coups de corps à corps dans le jeu, au fait. Je sais même pas, j'ai pas regardé. Viseur holographique. Oh oui. Ça, je mets. Ça, c'est bien. Viseur holographique, ça, c'est bien. Allez, je prends le risque de me balader découvert sur un lac. J'explore, je découvre un peu l'environnement. Je respire la nature. Ah, il y a de l'eau quand même, hein. Comparé à H1Z1, il n'y a pas d'eau dans H1Z1. Oh, on peut nager même. On peut même aller sous l'eau. Oh, c'est le meilleur jeu du monde. Première fois dans un jeu vidéo que je peux aller nager sous l'eau. Alors là, oh là là. Bon, par contre, remonter ça. Ouais, voilà. En fait, c'est chiant. C'est très chiant, même. Voilà. Suis vachement loin de la zone de confort. C'est un bateau, ça? Je viens de penser que j'avais une voiture à côté d'une des maisons à côté de laquelle j'étais avant. C'était une voiture. Je sais pas si elle roulait, mais c'était une voiture. Ça, c'est un bateau. Je ne sais pas s'il fonctionne. Monter à bord. Non mais est-ce que ça serait possible de... Oh mon Dieu. Conduire bateau, merci. Oh! Mon premier véhicule. Ah! Incroyable. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Eh, mon bateau, il est beau, mon bateau. Putain, je vais tellement plus vite avec ça, hein. Je vais même rentrer dans la safe zone en bateau. Si ça c'est pas beau, ah là là. Et là je me prends un coup de sniper et je meurs. Allez, top 40 là. On n'arrêtera plus cet homme. Il est parti pour gagner. Il a un frag, il a un bateau. Il est dans la safe zone, il est dans le top 40. Comme ça personne d'autre n'aura ce bateau. C'était mon bateau jusqu'à la fin. Est-ce que je peux monter là? Oh putain! Est-ce que je peux monter là? Colonel! J'y arrive! Putain! Non!
Je sais, limitation, mais je suis déjà dans la safe zone, c'est bon. Ah. Non. Ah putain. Allez. Je te dis tout mon dit, vas-y. Oui. Allez, c'est bon. Ah, donc j'ai pas regardé la superficie de la map de PUBG par rapport à celle de H1Z1, mais l'impression que j'ai, c'est que la map de PUBG est beaucoup plus grande que celle de H1Z1. Après, c'est peut-être moi qui ai cette impression et ce n'est absolument pas le cas et je raconte des conneries et voilà. Mais... Charge rapide... Eh hey, ça c'est pour moi ça. Mais oui, c'est pour moi ça. Charge rapide, je charge plus rapidement. Incroyable. Alors... Et qu'est-ce que c'est que ça, sac à dos niveau 1? Non merci, j'ai un niveau 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Calibre 12. Non merci, j'ai déjà un truc. Ça me suffit. Au niveau stuff, en vrai, je suis pas. Je pense que je suis pas mal là. Je pense que je suis pas mal. Nope. J'ai retenu la leçon de la dernière fois. Je n'irai pas chercher la caisse. Me ferai pas avoir encore une fois. Je survivrai, je survivrai, survivrai, survivrai jusqu'à ce que je gagne. C'est une voiture ça là-bas? Ah. Ça a l'air d'être une voiture. Enfin, une voiture, c'en est une, mais est-ce que c'est une voiture roulable? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Vu d'ici, elle a pas l'air. Et vu d'ici non plus. Putain. Ah, un bateau et une voiture dans la même game, ça aurait été beau quand même. C'eût été beau. La 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 la. Oh. En plus je suis juste à côté de la safe zone, ça c'est pas beau. En fait, je peux faire ça, pourquoi je me fais chier? Mais oui. Oh là là, mais j'ai tellement de trucs. Tellement de stuff. Il y a des niveaux 3 pour les objets. Genre sac à dos, casque, tous ces trucs-là. Ou le niveau 2, c'est le max. Je sais même pas. Alors, je ne sais pas. Vite. Oh là là, ça serait tellement beau. J'ai le temps encore, j'ai le temps. J'ai 1 minute 20. Je suis juste à côté de la safe zone. Donc, je vais tenter le coup. Venez dans cet endroit qui est... plein de bonnes choses, plein de promesses. Venez, on y est bien, oui. Ils veulent pas rentrer? Oh putain.
Hey, c'est bizarre, hein. Ceux qui ont des voitures, ils veulent pas en sortir, hein. On se demande pourquoi. Ils ont peut-être peur qu'il y ait un petit bétard qui vient leur piquer la voiture. Peut-être. Moi, je trouve que c'est de la paranoïa, mais après, bon, chacun son truc, hein. Eh hey, top 30 hein. J'ai de police niveau 1, non merci. Lunettes de protection. Ouais, vas-y, je mets des lunettes de protection. Je me demande si ça marche pour les grenades flash. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon. J'aurais vu plus bizarre dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que ça? Non, mais c'est trop voyant. C'est trop bruyant, je. Je suis tenté. Allez, allez, allez. C'est pas toujours qu'on croise un buggy. Allez, vas-y. Ah, d'accord, il y a un turbo, il y a boost. Hihi. Oui. Allez, vas-y, char. Wow. La plus bidon de l'histoire d'une vidéo. Non, non, oh, oh non, oh, oh tiens, si je lâchais le véhicule alors qu'il est à fond, ça a l'air d'être une bonne idée. Eh, dans H1Z1, ça serait pas arrivé ça. Oh putain, non, oh non, non, non. Bon, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de finir un épisode sur une mort bidon. Enfin, la première mort que j'ai eue dans le premier épisode, c'était pas vraiment une mort bidon, c'était une mort inattendue, imprévisible. Mais là, c'est carrément bidon. J'aurais carrément pu l'éviter. Bon, c'est pas grave. C'est marrant quand même. Merci d'avoir regardé. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.